Bonsoir à tous, c'est Stade 2, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro spécial dans la maison mère du sport français. Ce soir, nous vous emmenons au cœur de l'INSEP, là où habituellement se côtoient 800 athlètes sur ce site de 28 hectares. Une émission de champion, regardez plutôt ce qui vous attend avec le sommaire. Bonjour, c'est Raphaël Nadal, on se retrouve dans un instant au Stade 2. Le roi Nadal, invité exceptionnel de Stade 2, comment a-t-il vécu la crise sanitaire? Sera-t-il présent au rendez-vous de Roland-Garros en septembre? Il vous dira tout. Ce n'est pas rien, c'est d'avoir un invité prestigieux comme Raphaël Nadal dans Stade 2. Tout d'abord, merci Raphaël d'avoir accepté notre invitation. Dans un monde normal, vous auriez dû être à Roland-Garros à la conquête de votre 13e titre. Comment vivez-vous cette situation sans tennis? Bonjour. Voilà. Creo que la situación pues es complicada para todos. C'est une situation très difficile pour tout le monde. C'est une pandémie mondiale qui touche tout le monde. Une situation triste, désagréable à vivre, mais bon, il faut aller de l'avant, rester positif, espérer que la situation s'améliore et que l'on ait un futur meilleur. Oui, ici à Majorque, on a vécu cette situation avec beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations. On a suivi tout cela avec préoccupation, mais par chance, comme partout au Baléares, les conséquences ont été moins dramatiques qu'ailleurs. Il y a tant de gens, tant de familles qui ont souffert de cette période très compliquée. C'est une situation très compliquée. Du coup, Raphaël, il n'y aura pas de gâteau d'anniversaire cette année sur la terrasse de Roland-Garros. On a remplacé la terrasse par le Zoom, mais c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça en ce moment. Il faut vivre avec ce que l'on a, et ce que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est des rencontres sur Zoom et pas sur la terrasse de Roland-Garros. Justement, comment vous sentez-vous aujourd'hui physiquement, Raphaël? Bien. A ver. Bien, comme tout le monde, je n'ai pas pu sortir de mon appartement pendant 2 mois. Ça, c'est la réalité. Par chance, j'ai reçu des machines de musculation à la maison pour m'entraîner un peu et me maintenir en forme physiquement. Et petit à petit, j'ai repris l'entraînement quelques jours par semaine, mais pas 7 jours sur 7. C'est une reprise progressive, très lente, avec beaucoup de précautions et de prudence. L'objectif est d'être prêt pour le jour où on pourra rejouer au tennis, mais ça, on ne le sait pas encore. Justement, il y a quelques semaines, Raphaël, vous disiez être sceptique sur la possibilité de rejouer au tennis en 2020. Rassurez-nous, si Roland-Garros a lieu en septembre, vous serez bien là. Ma réalité, c'est que je ne... Ma réalité, c'est que je ne vois pas le futur d'un point de vue professionnel, mais plutôt d'une façon médicale, sanitaire. Je me projette dans un monde où l'on pourra protéger la santé de tous les gens qui travaillent autour du tennis, sur les tournois et le circuit ATP, les joueurs et les staffs. En même temps, c'est une situation très compliquée où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On espère tous trouver une solution rapide pour reprendre une activité normale. Donc, en ce qui concerne Roland-Garros en septembre, si on peut jouer dans des conditions optimales et en toute sécurité pour les joueurs qui viennent du monde entier, que tout le monde peut participer, si tout ça est réuni, alors oui, je serai là, mais aujourd'hui, il faut prendre des précautions et ses responsabilités dans des décisions adéquates pour garantir la sécurité et la santé de tout le monde dans le tennis. Alors justement, Raphaël, parmi les pistes envisagées, il y a celle du huis clos. Jouer au tennis sans public, est-ce que c'est envisageable pour vous ? C'est possible. Le foot joue bien à huis clos. Mais si vous me demandez si ça me plaît, la réponse est non. Il n'y a rien qui remplace la présence du public et l'énergie que cela génère. Vous êtes adulé en France. Quel message avez-vous envie d'envoyer à vos fans ce soir dans Stade 2? Je voudrais envoyer de la force et du courage au public français.
J'espère qu'il pourra sortir de cette situation très difficile encore plus fort et bien conscient de la difficulté que nous venons tous de traverser. J'embrasse le peuple français et j'espère qu'on pourra se voir très vite. Merci infiniment Raphaël, et nous aussi nous espérons vous retrouver le plus vite possible. En parlant de retrouvailles, certains aimeraient bien renouer aussi avec le goût de l'effort, de la sueur et du sang. Privés de salles et de combats, les boxeurs professionnels sont aujourd'hui en France dans les cordes. Le reportage de Rodolphe Godin, Alexis Fischer et Lucille Feuillebois.